our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us high. Coucou les amis. Coucou. Ça va Ewan? Il est beau. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, l'épisode 4 de Papa en cuisine. Voilà. Ouais, les oiseaux, ils voient des oiseaux comme on a ouvert là-haut. Du coup, il commence à pleuvoir, il commence à faire frais après un épisode de soleil. Je me dis, on est vendredi, c'est Papa en cuisine numéro 4. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça sent la tartiflette. Moi, je pense que une bonne tartiflette, je vais faire ça, mais avant on va à action. Je vais regarder si je peux acheter des petits points individuels pour mettre chaque tartiflette, ça serait pas mal. Ah oui, les yeux au four, et puis j'ai bébé Ewan avec moi, parce que maman aujourd'hui ça va pas trop non plus, hein. Donc voilà, c'est très fatigué, et voilà, vous allez la voir après. Mais on va les réconforter, enfin on va réconforter surtout Laetitia avec une bonne tartiflette. J'espère qu'elle va bien manger. Et on y va, c'est parti, je vous emmène avec moi pour commencer. Et on va faire la recette ensemble. C'est la première que je vais faire moi-même. Normalement c'est Laetitia et là c'est la première. Donc voilà, on y va, c'est parti. C'est parti les amis. C'est parti les amis. Ah, c'est qui? En fait il dit Jérémy. Et des fois, il dit Titia. Jérémy et Titia, c'est ça? C'est papa et maman? Ah oui, hein, tu ne nous appelles pas comme ça. Hein. Non, mais il dit ça parce que Titia et Jérémy Family, il entend ça des fois. Et du coup, il dit Jérémy. Le coquin. Allez, on y va, c'est parti. Coquin. Bon, je vais prendre des petits plats comme ça. Comme ça, je vais faire individuellement une tartiflette pour une personne dans chaque plat. Tu veux descendre? Il a pris un petit dé. T'as vu les petits dés? C'est bien. Et là, regardez. Tu veux? Non, t'as peur? Ça dégoûte. Il a peur. Il me demande l'araignée, mais il a peur. Allez, c'est parti pour aller à Leclerc avec bébé Ewan. Et qui mange là? Tu manges quoi? La sucette. Il a pris la sucette. C'est parti. C'est parti. Pour la tartiflette, pour le fromage, il faut prendre du reblochon de Savoie. Il ne faut pas prendre du fromage à tartiflette. Tout ce qui est AOP, comme ça, c'est beaucoup mieux parce que plus savoureux. Attends, Ewan, parce que le fromage à tartiflette, bon, il est moins cher. Mais pas grand chose, mais c'est pas non plus la folie. Du coup, j'ai pris celui-ci à 500 grammes. Voilà. Et puis le petit corps là, il m'appelle tout ça parce qu'il a vu le bonhomme là-haut. C'est bon, hein, il va rien te faire le bonhomme. Bah oui, t'inquiète pas. Bah oui. Bon, on a fini, j'ai pris tout ce qu'il faut pour le repas tartiflette. Et on se promène, on va voir s'il réagit, Ewan. On se promène, hein. Alors, où est-ce qu'on est ici? Bon, ça va, il réagit. Le livre. Attends, je pousse ça, on va passer là. Le livre de papa. Alors, tu veux quelle histoire aujourd'hui? Regarde, c'est ici. Tu veux lequel? Oh, le roi lion. Ça? Comme le roi lion, tu sais, on a acheté le petit le doudou à Disney. T'as vu? Il est là. Allez. Oui, tiens, tu prends? Non, pas. Oh, bah il veut pas, hein. Le roi lion, il est parti. Hop. Bon, alors tu veux quoi? Dis. Ça? Ça? Un canard. Le canard? Oui. Donald? Ça. L'éléphant? Oui. Celui-là? Oui. Ça? Oui. Tu veux ça? Oui. Dumbo? Oui. Ça? Ça? Non, ça. Eh ben, il est pas très loin à se décider, ce petit garçon. Et puis moi, j'arrive pas à les remettre. Hein. Alors ça? Oui. C'est quoi ça? Les gardiens de la galaxie. Tu veux ça? Oui. Tiens. Non. Mais
Il se moque de moi. Vous avez vu ça, sérieusement? Non. Tu veux quoi? Le caca. La bête? Oui. Ça? Non. Tu prends ça? Non. Mais tu veux quoi, Ewan? Le piquet. Celui-là? Oui. À la neige? Oui. Ça? Oui. On prend? Non. Bon, bah écoutez, je vais vous dire ce qu'il a pris à la fin, hein, parce que je pense que j'en ai pour un moment. Bon, il s'est décidé, il a pris mon histoire du soir, le repère des lionceaux. Des lionceaux. Ouais, comme ça, comme le doudou. Allez, hop, on prend ça, on va lire ce soir. Allez, on y va, c'est parti. On va les cuisiner maintenant. Bon, les amis, on est parti. Donc, je vais commencer déjà par faire cuire les pommes de terre. C'est ça qui est le plus long, en fait. Hein. Donc, j'ai pris la marque Amandine. Oui, Juan. Dès que j'ai commencé, il est toujours dans les parages. Oui, monsieur. Le bouton. Oh. Donc j'ai pris 2 kg de pommes de terre Amandine ferme, il faut que ça soit ferme. Donc je vais les faire cuire tout simplement. Et au moins j'aurai pris de l'avance par rapport à ça. Après on va préparer le reste. Bon, du coup, j'ai un pilote avec moi, il est là. Hein. Allez, Ewan. Ouais. Je vais commencer par couper les oignons tout simplement. Hein, donc je mets toujours un peu le couteau et je le rince après, évidemment. Hop, enfin, comme les bouchers, vous savez, ils rincent pas normalement. C'est dégueulasse, je trouve ça dégueulasse. Mais bon, allez, du coup, c'est parti. Donc je vais couper les oignons et je vais pleurer un petit peu, peut-être, je sais pas, on va voir. Il faut que je rince ça après parce que c'est pareil, il y a un peu de terre, j'ai pas fait gaffe. Donc je vais les rincer avant de les couper, les oignons. Déjà, je vais les éplucher et j'ai pas mes lunettes. Je sais pas où est-ce qu'elles sont. Hop. Donc aujourd'hui, hein, comme je disais, on va préparer une tartiflette, mais pas comme on fait d'habitude. Normalement, on met ça dans un grand plat, on fait un truc en gros. Là, je vais faire vraiment des petits plats individuels. Et j'ai pris des ingrédients de qualité. Le fromage à tartiflette, comme je vous disais, non. On prend du reblochon, du vrai. Hein. Appellation d'origine protégée, bien sûr. Mais on va voir si ça change. Il paraît que ça change bien au niveau de la... Enfin, c'est moins gras, quoi. Donc, on va voir. Parce que le fromage à tartiflette, malheureusement, il est très, très gras. Et on va voir s'il y a une vraie différence. Et... Monsieur Ewan, vous avez vu dans le magasin comment il fait que de m'appeler là? Il m'embête exprès à chaque fois que je filme. Ah, Ewan, tu m'embêtes, c'est ça? Oui, dis oui, dis oui. Oui. Oui, voilà, oui. Il m'embête tout le temps. Là. Donc j'épluche 3 oignons, je les coupe en petits morceaux et je vais les faire revenir. Donc déjà, ça c'est la première étape. Et puis je vous prends étape par étape pour que ça soit pas trop long pour vous quand vous regardez. Hein. Bon, voilà, j'ai coupé. Bon, il s'amuse à faire des bulles derrière. J'ai coupé les oignons, donc 3 oignons, ça m'a fait un bol complet. Donc voilà. Ah, j'ai pas trop pleuré, ça va. Donc on passe à l'étape suivante. Bon, je vais faire revenir les oignons, hein, tout simplement. Un petit peu d'huile d'olive. Voilà, bah, le fond, hein. Il ne va pas en rester beaucoup dedans. Ah ouais, j'ai pas fait attention, mince. Bon, de toute façon, il n'en faut pas beaucoup, hein, c'est histoire d'avoir une matière grasse. Donc voilà, un peu d'huile d'olive. Vous pouvez mettre de l'huile tournesol ou autre. C'est pas très important. Et puis, hop, les oignons qui vont revenir tranquillement. Voilà. Je vais les laisser revenir tranquillement. Bon, j'ai même changé de poêle, hein, parce que elle était trop petite et vu que je vais en faire une certaine quantité, vu qu'on va rajouter les lardons, le jus, tout ça, je préfère être large. Donc voilà, ne vous dites pas, tiens, c'est bizarre, il y a un truc qui a changé, c'est la poêle. Allez, du coup, on est parti. Je vais rajouter les lardons. Donc là, j'ai 400 grammes moi de lardons. Donc je vais rajouter les 400. Donc voilà, j'ai ouvert, je rajoute les lardons. Ils vont revenir tranquillement avec les oignons. Je mélange tout ça.
Là, vous pouvez rajouter également du vin blanc hein, pour ceux qui le souhaitent. Nous, on met pas d'alcool, mais voilà, il y en a, ils préfèrent, ils mettent. Donc voilà, vous pouvez en rajouter également. Moi, je vais rajouter que de la crème liquide, mais pas de vin. Donc, voilà, hop. Vous pouvez assaisonner un petit peu de sel. Hop, un peu de poivre également. Un peu, hein, pas trop. Voilà. Et ça commence déjà à sentir bon. Juste les lardons, oignons, un petit peu de sel et de poivre. Avec les pommes de terre à côté qui sont en train de cuire. C'est pas mal. Ça a la même odeur que quand c'est Laetitia qui le fait pour un moment. Je m'y retrouve. Donc les pommes de terre, elles sont cuites. Vous mettez le couteau et il ne faut pas que ça soit trop mou non plus. Hein. Donc voilà, là ça va, c'est très bien comme ça. Pour les couper, ça va être super. Donc je vais éteindre ça et je vais les rincer pour pouvoir les éplucher et les couper. Donc voilà, là c'est bien revenu. Je vais ajouter la crème liquide. Donc je vais mettre 200, moi, hein, je vais mettre 200. Attends, je crois que c'est des 200 millilitres, 20 centilitres deux fois, tout simplement. Hop. Histoire de donner une bonne sauce. Voilà. Hop, et là on va laisser bien comme il faut, on va tout mélanger. Je vais baisser un peu le feu d'ailleurs. Je vais laisser ça tranquillement revenir cuire. Hein, voilà, tout simplement. Ça fait déjà une belle, de la belle matière, on va dire. On va laisser ça mijoter tranquillement. Le temps que je vais éplucher les pommes de terre et les couper en morceaux. Bon voilà, j'ai terminé d'éplucher, c'était une vraie galère, je vous ai passé les détails, mais voilà, éplucher. Donc là je vais couper les pommes de terre tout simplement en dés, pour les couper en dés, c'est pas mal. Hop. Donc tout simplement comme ça, c'est en fait c'est plus long toujours les pommes de terre. À peu près comme ça, c'est pas mal. Donc, bah, tout couper comme ça. Hein. Donc, c'est parti. On y va. Donc, voilà. Alors, là, maintenant, les pommes de terre, elles sont coupées. Donc, j'ai coupé tout ça. Je vais mettre ça directement. Vous voyez, on va les faire mijoter un petit peu avec la sauce. Hop. Bon. Pour que ça prenne avant de les mettre au four. Mais comme, hop, on va attendre un petit peu, je vais remettre juste 20 centilitres ici de crème par-dessus, histoire que ça soit encore plus savoureux. Hop, voilà. Je vais les rajouter, on va laisser ça chauffer un petit peu. Je vais préchauffer le four et après, il n'y aura plus qu'à mettre tout ça dans les petits récipients. On est bon, la garniture est prête. Donc là, ça, c'est un tout petit peu trop grand, mais j'ai trouvé que ça action. Vous pouvez prendre quelque chose d'un peu plus petit pour que ça soit mieux, plus haut, plus garni, d'accord? Mais bon, on va faire avec nous. De l'ail que j'ai coupé en deux, je mets au fond un petit peu comme ça, voilà, tout simplement. Et après, je viens, hop, remplir. Donc pour chaque portion, hein, tout simplement. Et vous voyez, en fait, c'est ça le truc, c'est que comme les enfants, ils vont pas manger. Bon, moi, et bah, je vais m'en mettre un bol bien rempli, enfin un petit plat bien rempli. Mais les enfants, eux, ils vont pas forcément manger. Donc ça fait comme ça. Ça fait un peu moins garni, mais ça va. Ça se passe quand même, ça passe bien. Donc voilà, là, je vais remplir les 5. Et après, on va rajouter la touche finale pour ça, donc on répète hein, l'opération, un peu d'ail au fond, hop, et puis
On garnit, tout simplement. Voilà, j'ai rempli les 5. Le meilleur produit hein, du plat, bien sûr. Donc, comme je disais, un reblochon, hein, pas fromage à tartiflette. Normalement, il y a une belle différence. Un peu plus cher, c'est sûr. Au kilo, il est à 16 euros. Bon, là, j'en ai pour 8,77 euros. C'est pas donné, mais au moins, voilà, ça fait du bien de manger aussi. Alors, hop, il y a bien la petite planche de bois pour l'affinage. Ça, c'est bon. Allez, je vais le couper en 5, tout simplement. Hein, on va faire... on va essayer de couper ça bien. Ça sent bon. Loan, viens sortir, viens voir le fromage. Donc je vais mettre comme ça. Sans. Non mais c'est pas comme ça, c'est du reblochon, c'est vraiment. C'est comme ça. Ouais, la vache faite, oui. Normalement tout le monde aime ça. Hop, voilà. Donc là il est en 6, mais c'est pour faire des petits copeaux pour le reste. Donc je vais maintenant, normalement on peut mettre un dessus, ça va fondre, mais je pense que je vais le mettre chaque, je vais le couper en deux pour qu'il y en ait un peu partout quand même. Voilà, comme ça. Voilà. Papa ? Oui, mon bébé. Il m'appelle et après il m'appelle plus. Donc voilà, comme ça, tout simplement. Et puis, le dernier après. Tac. Je vais couper des petits bouts. En plus. Coucou les amis. J'ai une sale tête. J'espère que vous allez bien. Merci pour tous vos messages, je les ai tous lus, c'est gentil. Et bah voilà, donc là maintenant ça va aller au four. 180 degrés pendant 20-25 minutes, faites dorer. Oui. Et on va regarder le résultat ensemble de toute façon, hein, donc voilà. Mais moi, il va pas manger tartiflette, il a dit il veut du manioc. Ouais, lui il va manger du manioc, oui. Mais là j'en ai fait 5. Après je pense qu'il aura des... il va goûter, hein. Ouais. Allez, on va mettre ça au four. Donc voilà les amis, c'est sorti du four. Bon, c'est pas mal je trouve. Hein, on va manger ça tranquillement. Ça a l'air d'être quand même bien délicieux. En tout cas, ça sent bon. Donc c'est parti. Bon, les amis, voilà, on a bien mangé. Bon alors, t'en as pensé quoi toi? C'était très bon. Ouais, c'était super bon. Refaites-le, hein, surtout quand il va faire très froid là, vous allez voir. Mais c'était super bon. Ewan, il a vu une araignée, donc il est en train de jouer avec, une petite, hein, toute petite. Donc voilà, plutôt qu'avoir un chat, il a une araignée, c'est bien. Ouais. Donc voilà, en tout cas, bah, le mot du jour, on va dire quoi? Tartiflette. Bah tartiflette, hein, voilà. Hein. Tartiflette. Je vous remercie et n'hésitez pas à aimer la vidéo, la partager, vous abonner, commenter pour... que je continue à faire ça, ça fait 4e vendredi de suite hein, déjà. Non, 3e. 4e. Quatrième. Bah, tu me le rends pas. Hein? Tu me le rends pas. Crevette coco. Ah oui, c'est vrai. Potiron. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Là, la tartiflette. Et la boule. Et les boules. Donc, la semaine prochaine, c'est la surprise. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Au revoir. Tartiflette.